C'est une autre façon de travailler qui me plaît bien d'ailleurs, parce que dans le fond, on voit bien les choses quand on les regarde longuement. C'est Sabine qui est arrivée là, je vois des jambes. La voilà. On va y dire bonjour. 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 Très heureux de faire votre connaissance. Ça va bien? Bonjour. Il est en retard, monsieur Cavana. Tiens, la voilà. On va aller se mettre au bout, à la dernière table. C'est pas là que ça va se faire. On va aller faire, on va aller de l'autre côté parce qu'elle a quand même plus de lumière. Ah bon? Ici, elle a une lumière sépulcrale qui va en faire quelqu'un de très triste. Et comme Sabine n'est pas triste, non, ça serait tricher. Alors on va aller là-bas. Voilà. C'est dommage que je vois plus clair du tout. Hein. C'est bête, hein? Il n'y a pas trop de monde pour vous? Oh non. Ben là, voyez, Sabine, là, c'est oui, formidable. Là, alors, attendez, il faut une silhouette, contrairement à ce qu'on a fait jusqu'ici, une silhouette qui soit petite. Mon appareil a l'air d'indiquer des choses convenables. Attendez, ça fait quoi? Voilà. Écoutez, vous allez faire ça. C'était oui. Mettre très loin. Vous allez arriver par la galerie ici, là. Et oh, surprise, il y avait un photographe dans la galerie. Vous voulez que je prenne l'autre petite, l'autre petit truc? Je vais faire le geste. Hein, voilà. Comment vous allez? Allons-y, c'est parti. C'est pas. Ah non, je suis trop bas là. Non, ça dépend. Voilà. Voilà. Bon, comme ça vous serez toute noire, on verra rien de vous du tout. C'est parfait. On recommence. J'ai fait quelque chose. Non, c'est la lumière qui est dure pour vous. Qui est trop dure ici? Oui, mais on va recommencer quand même. Et qu'est-ce qui va s'améliorer? Rien. C'est complètement perdu. On essaie, hein? Allez, c'est parti! C'est parti, c'est parti! Ouais! Voilà, très bien! Eh ben, c'est pas si moche que ça! On en refait encore. Attendez, restez là! Non. Encore, encore, c'est pas mal! Oh, quelle belle photo! La participation s'est faite pendant l'occupation allemande. Non pas par un engagement héroïque, mais parce que je voyais des gens emmerdés. Et que des gens emmerdés, tu ne peux pas les laisser avoir d'être quelqu'un de très égoïste. Quand tu sais que ta main est très habile grâce à ton métier de graveur, tu peux aider des gens à se tirer de trucs en faisant des faux papiers. Bien, tu le fais. L'un amène l'autre et finalement tu te trouves dans un embringué dans un machin. Bon, ben ça c'est, tu veux pas faire autrement, c'est comme ça. Et aussitôt après, quand ça a été terminé, ces gens-là m'ont dit maintenant, tu sais, en forme, la France va changer. Il faut vraiment que les gens propres soient ensemble. Bon, j'étais très flatté, mais ça m'amusait pas. Donc je suis pas doué pour ça. Pas doué. C'est pour ça que dans les bouquins de Cavana, moi, quand j'achète un bouquin de Cavana, ça m'est arrivé deux fois. Je trouve qu'on me fait payer un bouquin pas assez cher, parce que je pompe là-dedans beaucoup plus que la moyenne des gens. C'est vrai. Il parle, par exemple, de ce qu'on achetait à la sortie de l'école. Tu parles du ruban de réglisse. Tu parles de l'aspire-frais. Qui connaît l'aspire-frais, à part moi, à cette table? L'aspire-frais, c'était un espèce de petit sac avec un tuyau en réglisse, et l'intérieur est du bicarbonate avec une poudre qui devait être d'acide citrique. Hein? Pense. Alors, on pompait ça. Ça devait être épouvantable pour l'estomac. Après, on s'étonnait que les mômes avaient tous des boutons, mais enfin bon, on pompait ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les trucs qu'on se mettait sur la langue et qui faisaient couic, 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 comme ça, en classe. Les rossignols. Il me décrit tout ça. Et moi, j'ai oublié complètement ces accessoires.
quand j'ai le bouquin de Kavanagh, je retrouve tout ça merveilleusement décrit. Quand je vois des douaneaux, moi j'en ai. Je veux dire que ça me fait même mal tellement. Non, oui, tellement, bon, tellement. Je fais exprès de faire mal. Il y avait encore un truc, tu vois, Kavanagh. Oui. Les camemberts en réduction qui s'appelaient des quoi? Des roudoudous. Des roudoudous. C'est dégueulasse, ça colle. Ouais. Il y avait des mouches qui se prenaient dedans. Hein. C'est quand tu avais léché le bonbon. C'était un bonbon moulé, coulé, enfin du sucre. Coquillage. Maintenant, ça se fait dans les coquillages. Ah, c'est mieux, ça. Chez Gégène, le samedi, tu sais, les noces chez Gégène. Quelqu'un d'un peu au courant aurait pu bouffer à l'œil le samedi. Parce que chez Gégène à Joinville, il y avait... Non, Champigny, Gégène. Non, Joinville. Gégène est à Champigny. Non. Oh, un Italien, il veut m'attendre. Gégène, il est de l'autre côté de la Marne. Et l'autre Pardon côté, c'est Champigny. En face, c'est Convert. Exactement. Alors, c'est où ça? Nogent. Oh, oh là là. Oh. Vous avez une map nonde, patron? Est-ce que je lui accorde son Champigny? Tu peux. Il y avait Gégène, à côté tu avais enfin, Max, il y avait la boule rouge. Tout ça était côte à côte à Champigny. Mais il m'a coupé mes effets. Il vous a coupé. On continue sur Gégène? Ah, mais continue quand même, t'en fais pas. Bon, ouais. Alors chez Gégène à Joinville, il y avait six noces qui se mélangeaient. Il y avait la danse du tapis. Et tu embrassais toutes les mariées que tu voulais. Alors, merveilleuse photo, on va quand même le dire, Robert Doisneau. Des jeunes mariés... Le couple qui arrive et qui se retrouve devant, avec la limite, avec deux chaises et une petite corde entre les deux. Vous avez photographié toute la noce qui s'approchait mais de là, vous. Là, c'était pas à Champigny. Le couple qui traverse une rue en direction d'un bistrot, un peu triste. Oui, 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 c'est terrible. Ce sacrifice jeté à la vulgarité d'une journée où tout le monde rigole avec des chapeaux en papier sur la tête, c'est terrible. Voilà. Mais elles sont pas très tristes, ces photos de mariés, si, quand tristes. Même, si. Pour moi, elles sont tristes. Elles ne sont pas méchantes. Enfin, méchantes, puisque c'est moi que je me suis l'autoportrait. Parlons de Maubert, du centre de Paris. Alors, on est des jeunes aujourd'hui. C'est votre quartier, Kavanagh, on le sait, puisque vous y travaillez. 15 ans. 15 ans. Bah, qu'est-ce qui subsiste aujourd'hui de tout ce que Doisneau a photographié dans ce coin-là? De ce les que maisons. Vous aimez, c'est la même chose. Les maisons. À peu près conservées. C'est un coin qui n'a pas trop été esquinté. Quand il l'esquince, c'est parce qu'au contraire, parce qu'ils veulent faire encore plus vrai que vrai. Quand ils veulent faire du vieux Paris. Poutres apparentes. Oui. Poutrappe. Mais, poutrappe. Dans les petites annonces. Mais alors, par contre, les indigènes... Ils ont été priés de jouer plus loin. Hein. Exactement. L'amour, moi je l'ai connu gosse. C'était un coin fascinant. C'était la cour des miracles. Tu l'as connu aussi. Oui.